Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mamboni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre frère Josaphat Mamboni de la République démocratique du Congo. Je suis prédicateur et chanteur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable au courant de la journée. Nous parlerons de bienfaits de remplir, entre guillemets, ainsi dans la vie quotidienne. Les si représentent les conditionnalités à remplir pour accéder à un avantage donné. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, quand vous lisez tous les chapitres, c'est rempli d'une litanie de conditionnalités. Par exemple, dans les versets 1, on dit « Si tu obéis à la voix de Dieu, si tu marches en observant tout ce que moi je t'ai prescrit, je te donnerai la supériorité sur les nations. » Tu vois, la supériorité est là. C'est comme si on vous faisait un cadeau devant. Mais pour y accéder, on vous dit « Remplissez telles conditions. » Donc, toute la vie des hommes, c'est rempli de conditionnalités. Si on n'est pas à mesure de le remplir, vous allez échapper, soit les bénédictions vont vous échapper. Certains avantages, vous ne les aurez pas. C'est là où quelqu'un doit se surpasser, faire des sacrifices pour accomplir les conditions qui sont fixées dans tel et autre secteur. Je m'explique. Vous êtes malade. Il faut la guérison. Vous avez besoin de recouvrer votre santé. Mais le docteur vous dit, écoutez, la condition c'est quoi? Prenez tel et tel autre médicament et respectez la cure. Si vous remplissez cette condition, au bout de quelques jours, de quelques semaines, vous récupérez votre santé. C'est le prix à payer pour accéder à la bonne santé. Chers amis, vous qui m'écoutez, je dis à une personne, dans la vie, si vous n'êtes pas prêt à payer un prix, vous n'accéderez pas aux avantages que vous nourrissez dans votre cœur. Vous ne les aurez pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent, que ce soit dans les ministères, dans leur vie chrétienne, là où ils travaillent, parce qu'ils ne sont pas prêts à payer un prix. Ah, chers amis, dans cette vidéo, je serai là que pour vous motiver à payer un prix. D'ailleurs, dans un dicton populaire, on dit « Tu ne risques rien, n'a rien. Si tu ne risques pas, tu n'auras rien. » Aujourd'hui, pour avoir un travail, il y a aussi des conditionnalités remplies. Être âgé de, avoir tel niveau d'études. Il faut être prêt à remplir telles conditions. Il faut accepter à travailler sous la pression. Et si vous n'arrivez pas à remplir toutes ces conditions, vous tombez. Le boulot va chez les autres. Il y a aussi des conditions. Si vous voulez être diacre ou ancien dans une église, on vous demande de la bonne moralité, un bon témoignage, être marié d'une seule femme, avoir des enfants qui sont obéissants. Si vous ne remplissez pas toutes ces choses, par exemple la fidélité, la crainte de Dieu, vous ne serez pas désigné comme diacre ou ancien au niveau de l'église. Vous voyez, donc les conditionnalités nous suivent partout, que ce soit en famille, que ce soit dans le monde séculier, du travail, que ce soit au niveau de l'église, même Dieu lui-même, la plupart des promesses divines sont conditionnelles. Si vous ne payez pas les prix en remplissant les conditions, vous n'allez pas accéder à la bénédiction, les bienfaits de remplir ainsi dans la vie quotidienne. Donc, quand quelqu'un remplit bien les conditions qui sont en face de lui, il va ressentir un bienfait. Il va accéder à la bénédiction, à la bonne santé, au bien-être, à l'excellence, à toutes ces choses. Donc ici, je m'adresse à tout le monde, que vous soyez joueur, que vous soyez marchand, que vous soyez commerçant, que vous soyez, je ne sais pas dans quel secteur, les conditions sont toujours là. Nous devons les remplir. Si vous les loupez, vous n'aurez rien. Si vous ne remplissez à moitié, vous aurez des résultats à moitié. Chers frères, j'insiste et je répète, apprenez à payer les prix si vous voulez réussir dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ce message, likez, partagez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.